Alors, j'ai découvert un truc qui est triste. Rangers, C'est good que to le see you. prix augmente. Alors, ça. Sure thing. Let's have a look. Donc, on peut faire ça, réentraîner, donc c'est 200. Et après, 350, etc. Et ça se décuple à chaque fois. 600, et après, c'est 1000 et quelques. Donc, je peux faire que 3 personnages maximum. Et c'est extrêmement cher, donc on va plus avoir d'argent. Mais par contre, on peut tout remettre. Donc attributs, compétences, comme j'avais expliqué, avantages. Il y a même ces avantages aussi qu'on peut avoir. Par exemple, sain, constitution, plus 35. Donc ça serait vachement bien. Je vais recharger la partie. Mais en gros, c'est ce que j'ai fait. En gros, je vais pas le faire maintenant, ça. On va attendre d'être plus haut niveau et tout ça. Mais j'ai écrit sur un fichier texte, en fait, mes personnages et tout. Et j'ai bien écrit ce que je voudrais changer, en fait. Il faudrait tous les changer. Les quatre, il faudrait les changer, honnêtement. Voire même ceux qui nous accompagnent. Genre par exemple pour notre sentinelle. La sentinelle est vachement bien. C'est devenu plus un médecin en fait de terrain. Attends, on va se virer d'ici parce que ça, ils font que parler, c'est chiant. C'est devenu un médecin de terrain. Donc il est en plein milieu du combat et tout ça. Il fait pas extrêmement mal, mais il soigne et tout. Enfin voilà, il est cool. Et c'est un commandement quoi. C'est un commandant, donc il a commandement extrêmement élevé, donc c'est bien. Mais par exemple, il n'a pas beaucoup d'HP. Il a toujours la constitution de base qui est 55. Donc par exemple, en attribut, on pourrait lui augmenter déjà un peu la force. Et en avantage, on pourrait lui récupérer par exemple 5 pour avoir 35% de constitution en plus. Vous voyez, il y a des trucs comme ça en fait qu'on pourrait nettement améliorer. Il y a Fury qui est très potable, honnêtement. Qui est très potable, Fury. Il y a peut-être la co coordination qu'on pourrait même augmenter au max si on enlève genre un peu de chance, un peu de vitesse et tout ça. Et du coup, il faudrait lui enlever par exemple les explosifs. C'est vrai que ça lui sert pas à grand chose. Donc elle serait fusil, ordure et charmeur d'animaux. Ça serait le mieux, honnêtement. Donc explosif, ça sert pas à grand chose. Après Zeus et Thunder, il faudrait aussi les faire de meilleures choses. Par exemple, on a le tir de suppression qui sert à rien sur Zeus. Parce qu'on le laisse avec un lance-flamme, on garde le lance-flamme. Et après, on a des trucs genre un télo et tout ça, et je voudrais bien lui donner aussi, comme j'avais dit, science étrange, pour qu'il puisse utiliser en fait les armes un peu spéciales à énergie et tout ça. Et lui, il serait contre les véhicules et les robots aussi. Donc voilà, le lance-flamme, ça serait contre les humains, parce que armes lourdes. Mais après, il aurait genre des armes anti-robots et véhicules. Parce qu'en fait, il a full mécanique d'histoire. Et après, bien sûr, il a mécanique et dégâts en plus. Voilà. Donc voilà, ça serait ça. Donc il faudrait changer ça. Donc il y a des trucs que je voudrais changer. Après, pour Thunder. Thunder, ça serait. J'ai envie de mettre modification d'armes et armure sur la même personne. Je sais pas si c'est une bonne idée. Le mieux, ça serait d'avoir 3 compétences par personnage. Comme ça, on pourrait vraiment avoir des compétences très élevées. Genre, par exemple, le premier soin, on est quand même très élevé comparé aux autres. Avec Sentinelle. Et quand on arrive à 4 compétences, ça commence à décliner, en fait. Bon, après, on est que niveau 6 aussi. Hein. Voilà, faut savoir ça. Mais ouais, allez, 4 compétences maximum. Peut-être avoir, ouais, modification d'armes et armure sur la même personne, je sais pas trop. Explosif, faudrait peut-être que ça soit elle qui l'ait, qu'on augmente explosif à fond, et ça serait une sorte d'arme lourde avec des explosifs. Peut-être, je sais pas après les armes qu'on peut trouver. Et même eux, il faudrait pouvoir les changer aussi. On va lui augmenter le marchandage, parce que c'est vrai que faire de l'argent, c'est quand même vachement bien. On va lui mettre ça. Et en avantage. En avantage, je sais pas trop quoi lui mettre. La camelote ferrée, ça c'est pas mal. Enfin, je sais pas trop. Acheter plusieurs objets au lieu d'un seul donne-lui une réduction de 20%. Ça peut être intéressant. Donner des modes d'armes, ça on l'a déjà, je crois. Avec Zeus. Je pense pas que ça se cumule. Esquive, armure, emplacement rapide. On peut lui mettre la constitution en plus. J'imagine. Parce qu'elle a pas beaucoup de vie de base. Mais vous voyez déjà ces deux-là, eux deux, on pourrait leur mettre constitution en plus, ça serait bien. Même Sentinelle, on aurait pu lui mettre la constitution en plus. Bon, après, ces deux skills sont vachement utiles. Mais vous voyez, on peut.
on peut nettement améliorer les choses. On peut vraiment améliorer les choses. Faut qu'on fasse ça. Le centre du parti. Voilà. Il faut vraiment qu'on puisse améliorer les détails en fait des personnages pour les rendre utiles, parce que c'est vrai que quand on regarde mes parties, mes combats, je parle vraiment des purs combats, il y en a très peu en fait qui font extrêmement mal. C'est-à-dire que Sentinelle, il est plus là à vouloir supporter les gens, les soigner et tout ça, les buffer. Et après, vous avez l'autre, il est introuvable, je sais pas où il est parti. Après, vous avez les deux lourds. Alors moi, je voudrais aller à la boîte de nuit. Après, vous avez les deux poids lourds, là, les armes lourdes. Eux, par contre, c'est plus ou moins eux qui font les gros dégâts. Après, bien sûr, Fury, hein, qui fait extrêmement mal. Donc voilà, vous voyez, donc il faudrait un peu améliorer ça. Il faudrait que tout le monde puisse être extrêmement utile en fait en combat et pas que 3 personnages sur 6 quoi. Mais bon, pour l'instant on arrive à se débrouiller, mais voilà. Aussi, on va laisser tomber la mission des clones pour le moment. On va continuer la mission dans le bar, dans la boîte. Donc voilà, c'est parti, on va faire ça. C'est un peu bête, je voudrais bien finir en fait ce qu'on a commencé, mais bon, pour le moment c'est un peu compliqué. On n'a pas les bonnes stats, puis le combat, j'ai pas envie de passer 2 heures à faire un combat, parce qu'il faut un peu de chance, on n'est pas assez puissant, donc il va falloir un peu de chance. Oh là, Red Hats, qu'est-ce que le rush, hein? Pourquoi ne pas dire à ton old pal Charlie ce que tu as trouvé de McTavish? Alors, il y a McTavish qu'on a foutu en tôle. Et il y a lui que j'aime pas déjà de 1, et il y a le grand patron de la boîte que je voudrais faire tomber aussi. Vous aviez raison, il a laissé dehors. Alors ça, on va pas lui dire. C'est pas vos affaires, vous allez en parler à Brigo. Oh, all right, yeah. Fair enough. He should be the guy you talk to anyway. Il y a des mecs qui me battent. I'm sure he'll be open to a deal. So, donc c'est ce qu'il nous faut. What did you do to that poor bastard McTavish? Il se garde les rangers à présent, si vous allez le découvrir par vous-même. Now why would you be like that to your good pal Charlie? All right, I'll head to the machine shop and clear up any mess you left. Nothing but a favor between friends. You should go on upstairs and talk to Mr. Brigo. Ah, il va... See you later, Red Hats. Ah, lui, je l'aime pas du tout. Du coup, il va partir. Attendez, du coup, sauvegarder. Est-ce qu'on peut aller lui casser la gueule, genre... au magasin, peut-être, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Atelier d'usinage. C'était là? Atelier d'usinage. Ouais, peut-être qu'on peut aller lui casser la gueule. Je sais pas, je l'aime pas lui, de toute façon. Donc, autant le faire, si on peut. Allez, fais voir un peu. Après, je recharge directement, comme ça on n'a pas besoin de recourir. Mais je veux voir ce qu'il fait là, en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec lui ou pas? Peut-être ici. Non. Non, strictement rien, ok. Bon, on recharge. On recharge, il n'y a rien à faire. Donc là, il y a des gens qui se battent.
You're the one yelling, and if you don't stop, they're going to kick us out. Les encourager. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Ah, il est là le mec. Ok, go. Ok, console indique système de ventilation, radio commandée de Dante Hank, veuillez entrer le mot de passe. Ah, on n'a pas le mot de passe. Truc d'intello pirate. Ok, le mot de passe c'était le mec qu'on avait envoyé chier là, quand il était avec la prostituée. Kestrel. Bienvenue sur les systèmes de ventilation et commandes inventées, fréquentes unités. Souhaitez-vous programmer une routine climatique à régler ultérieurement par radio? Oui. Régler le système que vous entendez se tienne, système sur chauffe. Dès que vous aurez le système ordinateur, puis changer le mot de passe sans brigo par les couilles. Ok. On est bon? Il est prêt à surchauffer dès que vous enverrez le signal radio. Ok, très bien. Parfait. Le signal radio, hey, comment on fait? What do you need? Don't be strangers. Le signal radio. Faut que je regarde comment. Attendez. Est-ce qu'il faut vraiment faire un signal radio ou c'est un événement à déclencher? Parce que je sais que j'avais vu que on avait un truc comme ça. Radio. Attendez, on va mettre. Oh putain, ça change après, c'est vrai. Ok. Avec, entre le QWERTY et l'AZERTY, c'est vraiment relou. Je sais pas. Bah du coup, on va parler au mec là-haut, on va voir ce qui se passe. Ah merde, non, c'est là, pardon. On va aller lui parler, on va le confronter maintenant. Voir ce qu'on peut faire. J'ai un peu peur qu'on doive combattre tout le monde, mais bon, de toute façon, on est tous au max, on est soignés et tout, donc... let's go. Ouh, ok, ça change. Ça va être la confrontation, là. J'ai le feeling que ce n'est pas un appel social. Je comprends que vous avez eu un petit talk avec McTavish. Et je veux que vous sachiez qu'il est aussi appalé que vous êtes, qu'il a laissé les Dorseys dans la ville. He served me well, but, well, he's always been an idiot. Now, what do you want to talk to me about? Alors, arrêtez, nous avons piraté le système de ventilation, nous avons réglé pour qu'il surchauffe, rendez-vous gentiment, et on appuie sur ce bouton, cet endroit finit en barbecue. Comment savez-vous que Macri vous a dit? Nous avons trouvé une lettre de votre part adressée à Maggie, lui ordonnant que si vous aidez Dorsey, vous saviez donc qu'il est prévu. Venez avec nous, vous êtes en état d'arrestation. Ouais, ça c'est pour attaquer. On va l'arrêter. Aren't you clever? Realizing I don't mind dying so much, but I'd hate to see this place burn. Oh la vache. Right, I'm ready. Give me the bracelets. Ooh. Après, une personne aussi puissante. Copy, Team November. This is Ranger HQ. What's new? Over. Une personne aussi puissante, je sais pas si c'est bon de la garder en prison, parce qu'elle va peut-être trouver un moyen de sortir. Et après, dans un sens, je me dis peut-être qu'une une personne aussi puissante, elle pourrait peut-être nous aider plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être à double tranchant. Ouais, on verra ça plus tard, j'imagine. Bravo, c'est rendu, envoyez une équipe pour l'enfermer au QG, on s'est occupé de vous, pouvez-vous demander au Marshal? Non, on s'en occupe. Copy that. Congratulations, November 1. That's a mighty big fish you brought in. Over and out. Ah, là, on a bien joué. You are definitely on my most wanted list. Ah. Et après, on aurait pu tuer tout le monde aussi. Bon, maintenant on peut passer. Ok, maintenant on peut. Parfait. J'espère qu'ils vont pas nous faire chier. Gros rouge. Hey, hands off the merchandise.
The fuck's smell the matter that? With you? They've been making chicken massage. I know I some marshals that could benefit from these. Okay. Ça peut-être. Ça va les mecs? Ok. Donc on peut pas prendre ça. J'ai envie de tout prendre moi. Flipper. Crochetage. Ah ouais mais. C'était peut-être là en fait qu'il fallait aller. Faites pas attention à nous. En fait là on peut prendre parce qu'ils nous voient pas, c'est ça? Après c'est que des caisses, bah, c'est d'une diminution et du soin. C'est pas énorme, je pense pas que ça vaille vraiment le coup. Oh la vache. Ouais, j'imagine que c'est... Ah, ça doit être lui. Inspecteur Delgado, c'est vrai. Tourelle de combat, yes. Et tourelle de combat, ça, je, comme on avait dit, hein, je voudrais que ça soit Zeus qui les utilise. Ça c'est quoi l'île de compétences pour ordure sournoise? Très bien, on a un fusil d'assaut, voilà, la merde, une grenade, on a des mods, très bien. Très très bien. Le vrai de la coiffure speed donc. Alors on va parler à lui. Non, on peut pas. Ordinateur piraté. Hop là. Non, attends, d'abord il y a plein de caisses. Sauvage, on a tactique et sauvage, c'est quoi ça? Armure 5, pas mal. Crochetage combien? 6, oh, putain. Il y a plein d'endroits, il faudrait y retourner. Ça par contre ça me rend fou moi dans Wasteland, parce que ça c'est des trucs que j'oublie. J'oublie complètement quoi. Jambière sauvage, toi t'as quoi? T'as jambière de mercenaire. Donc du coup on peut te mettre sauvage à la place. Très bien. Ouais, ça serait vraiment cool, ça. On les mettrait. On va pas les mettre maintenant parce que c'est pas très utile. Il nous faudrait l'avantage, je sais plus quoi. Réparation des véhicules, des robots augmentent également la constitution max de la cible. Ça, ça peut être bien. Matériel déployé gagne 25% de constitution et inflige 25% de dégâts en plus. Ouais, ça, une fois qu'on aura le. On aura ça débloqué, là on va utiliser les tourelles. Putain, il y a ça aussi, quoi. Dégâts, 20% de véhicules et robots, quoi, c'est énorme. Ça donne de l'armure en plus. Ouais, non, il y a vraiment des trucs sympas à faire. Il y a vraiment des trucs super sympas. Il y a trop de trucs à faire, en fait. Il y a trop de différentes choses à faire. Hey, Delgado. Bet you thought Daisy forgot all about you. Quan, how'd you get past the guards? Are these the Rangers? Fuck Brigo, il a écrit. Ah, c'est Graham qui va nous chercher. Good old Daisy. Always takes care of her people. I appreciate you coming in here to bust me out. Didn't think anybody could take down Farron Brigo. I bet you could teach the marshals a thing or two. Oui, tu risques qu'on fait du mal, il a ouvert la porte lorsqu'on sera prêt. Est-ce qu'ils ont fait du mal? Non, comment ça a été capturé? Ça, I've been keeping an eye on Brigo for a while. He's a survivor. Likes to play both sides to make sure he always wins. After the Dorsey raid, I started asking questions about the club. Well, puis n'a pas rentré trop, ils m'ont chopé et traîné jusqu'ici avant de verrouiller la porte. Ils m'ont pris mon arme et tout le reste, heureusement que vous êtes arrivé. Took my weapon and everything. Ok, on y va. Hope I see you again, Rangers. Ah, ouais, boy, gotta figure out how I'm going to tell my wife about this. Je voudrais bien leur casser la gueule. Ils ont peut-être de l'équipement. Fuck you for arresting Mr. Brigo. Je sais pas. Après, il y a des magasins et tout. Donc... Mr.
Allez, on se casse. J'aime bien parce que le club il ferme pas quoi. C'est assez drôle de dire ça. Du coup, on va retourner voir Daisy et récupérer notre récompense, point d'interrogation ? Je sais pas. Ça, c'est le musée. C'est là. Ça, c'est des endroits qu'il faudrait y retourner quand on aura crochetage augmenté et tout ça. Ça, c'est chiant, ça. Je pense que je prendrai un moment que je retournerai, en fait, dans les lieux qu'on a déjà vérifiés. Ou alors, faudrait que je les note tous, quelque part. Mais, putain, on va faire une grande liste. Here they are. That was one hell of a sneaky way to get Brigo to surrender. Round of applause for the Rangers, Marshals. I hear you keeping Brigo in Ranger lockup, and I won't say I ain't disappointed. I wanted him here, but at least that shitty nightclub is shut down. Now folks will know what'll happen if they lay hands on a marshal. Plus 10. Ouais, non, mais je préfère l'avoir chez nous que chez vous, parce que vous, je vous fais pas confiance. $87, t'es sérieux? Your lockkeep is after my own heart. C'est nul. Around here, we always remember who our friends are. Now, I said I'd owe you a favor if you took care of this for me, and I meant it. Thing is, Delgada owes you too, big time. So I'm sending him over to your base to manage your armory. Cool. He'll take good care of you. Thanks again, Rangers. You ever need my help, you know where to rustle me up. What do you need, Rangers? Maintenant que nous connaissons mieux, c'est une question délicate. Le patriarche n'a pas l'air en bonne santé, alors prendra le réveil s'il meurt. Why? Want me to say it should be you? Ranger pourrait protéger Cordero si on faisait des bons amis, uniquement si c'est ce que vous pensez. Good answer. You Rangers are my kind of folks. Vous avez dit que le prochain chef du Cordero aurait besoin de l'amitié des marshals. Ça me va mieux désormais. I like you Rangers, but a girl needs to be sure before she commits, if you know what I mean. We ain't quite there yet. Roger that. Ça marche. What can I do for you, Rangers? Torres. Thanks. If you've got any feedback, be sure to fill out a form. Toi, je t'aime pas, par contre. Rangers, what brings you here? Pourquoi? Indeed. Ça marche. Du coup, non, ça c'est le magasin. Quitter la zone. Que j'ai des rangers, parfait. Je commence un peu à m'y faire à la zone. Faut qu'on voit un peu comment ça se passe. Au QG. Donc l'autre il va s'occuper de l'armurerie, donc peut-être qu'on va pouvoir acheter des choses. Oh, c'est qui ça? J'ai une proposition pour vous, Rangers. Vous êtes qui, vous? You're the CO around here? Ouais. Ok. Karim Neswolf. C'est qui cette équipe de surentraînés, là? Quality setup this time. Better than back in AZ. Ouais. Guess Daddy Buchanan's buying you all the good gear. Vous pouvez déjà aller assister des rangers. Qui êtes-vous? Gary Wolf, freelance security consultant and synth hunter. Got a proposition for you. Chasseur de synthétique. Qu'est-ce que vous voulez? After the Rangers nuked Cochise and themselves, I figured somebody competent had to chase down its mechanical brood. So I recruited folks who'd lost family to synths, and I formed a posse. Decommissioned a dozen of the plastic punks in AZ, then heard a few'd headed east and followed them here. Now I'm getting flack from that tin star twat Daisy for exchanging fire with the synth we tracked to Colorado Springs. That's where you come in. Je suis pas trop fanatique. Enfin non, je suis pas trop fan des fanatiques genre anti-synthétiques et tout ça. Même dans les Fallout et tout.
Parce que la plupart du temps, ils sont sympas les synthétiques. Enfin, on peut tout. Enfin, c'est spécial, donc c'est bien de les avoir. Interferent bitch told the marshals to shoot us on sight if we stepped inside the city limits again, so we can't go after this October 11th synth. Was hoping you might be interested in taking care of it for us. Cash bounty for its head. Pourquoi sont ceux si dangereux? Jesus, you're not one of those, are you? Fucking simps are always talking about how synths are sentient. They have feelings. Bullshit. That's how they trick you. Synths are just top grade robots. What makes them dangerous is that every one of them has a little piece of Cochise in their electric brain, like a virus. And if you leave them alone for too long, that virus spreads. And pretty soon we have the goddamn robot apocalypse all over again. Parce que moi, vu qu'on a Zeus là, qui fonctionne bien avec les, avec la mécanique et tout ça, et apparemment, j'imagine que les synthétiques, on peut pas les soigner avec du soin normal, hein, genre des bandages et tout ça. Je crois qu'il faut des caisses de réparation. Bah du coup, les deux, si on a un synthétique dans l'équipe, genre à la place de la cowboy là, parce que encore une fois, hein, comme j'ai dit, c'est celle qui n'est pas vraiment très intéressante pour notre équipe, et qu'on met un synthétique à la place, si on peut, je sais même pas si c'est possible, mais vu qu'on peut réparer robots, véhicules, j'imagine que oui, ça serait vachement bien en fait, d'avoir Zeus plus un synthétique. Vous voyez ce que je veux dire ? Not on my watch. We cap him as soon as we see him. Don't give him a chance to talk. Donc moi je serais pour avoir un synthétique dans l'équipe. Pourquoi des ouvrières de chasse Corridor Spring? Synthétique s'appelle Octobre 11. Yeah, no idea why. Synths are weird that way. It and another synth called Tourmaline caged some sieves on their way here, just for kicks. So watch yourselves. Okay. Eleven is a stone killer. Gotta be neutralized before it kills again. And killing it will help us find its comrades. On va lui dire, ouais, mais... Cochise. Are you kidding me? Cochise is the Ranger's greatest enemy. A supercomputer that almost exterminated them twice, and which built an army of synths to kill every last human on Earth. Rangers aren't training their recruits at all these days, are they? Ah, ferme ta gueule. En quoi tu es sous ton nom, ça doit trouver les autres. All synths got a radio in their heads. Let's them communicate long distance and triangulate on each other. Ça peut être utile. Once I crack Eleven's head open, I'll hack it for their locations. You want to go after the others too? I'll make it worth your time. We cornered Eleven downtown and tried to take it out quietly. But there was a snafu and we had to open fire. Shot up the street, wounded some civs. Ah bah bravo. Silly bitch wouldn't listen when I warned her about the synth. Acted like we were the problem and sent us packing. Fuck her. Fuck her. Je crois que le synthétique, c'est celui qui se cachait parmi les mannequins. Je crois que c'est lui. Hey now. That's my ex-boss you're talking about, Hoss. Lucky you quit then. She's a frag candidate for sure. Ouais, ouais. Add it to your list? Ought to be your top priority. Whatever. We'll wait here until you bring back its head. Should still be downtown somewhere. You'll know you're near it when you start hearing weird static on your radio. Squad, at ease. Okay. Ouais, on va lui dire oui, mais on va pas tuer le synthétique. Those chickens are weird. Hello, Rangers. This is the Rangers. Who is this? Qu'est-ce qu'on est censé regarder là? Ah oui, armurerie. Armurerie, ok, ça marche. On peut? Ah, on peut double-cliquer comme ça. Fais voir. Ouais, ok, d'accord. On peut double-cliquer sur la truc et faire ça, ça marche. C'est bien ça. Ouh, que j'ai des rangers armurés. Vous avez accès à armurés, vous pouvez venir ici pour acheter des nouvelles armes, armures, un truc avantageux. And do they thank us? Fuck no, they don't. Are you crazy talking that way? So
somebody's gonna hear you. I don't care. We keep the streets clean, bury the evidence when one of their kids runs over some refugee, chase off asshole bill collectors. It's hard work. Et après on a un arme de poing, un pistolet laser. Do they even send a keg or two to the station when we've done them a favor? I've never seen it. See? I told you. Pistolet laser, ça peut être pas mal pour elle, parce que je lui ai mis un quand j'ai refait son build, enfin son build, quand je l'ai reprise, vu que j'avais tout enlevé. Je lui ai mis un pistolet, mais là du coup on pourrait faire ça. Donc elle aurait un pistolet laser, ça pourrait être pas mal. Contre les robots et tout ça, 30% véhicule, robot. Ok, c'est cool. Alors, on peut voir un peu. Tel gâteau. I never thought I'd be in a position to thank outsiders for saving my life, but here we are. I don't know what Brigo intended, but well, I'm guessing you saved me a lot of pain. So anyway, Sheriff Daisy asked me to set up an armory for you, get you situated. So I'll get started. Want to see what I've got so far? Merci de nous avoir aidé. Ça vous plaît ici? It's fine. Can't complain. Allégeance au ranger indécis. Montrez ce que vous avez. Réduction de 10%. Wow, ok. Vendre la camelote. Alors, on a plein de munitions. Quantité possédée 27, donc ça c'est bien. Je regarde un peu les munitions aussi si on tombe pas à court. Le calibre 50 pour le moment, on n'a rien qui tire du calibre 50, donc ça va. Le 30-06, on n'en a pas beaucoup, 27, mais on peut en crafter ça, donc ça va. On a des requêtes, on s'en tape. Donc là, on a quoi? Fusil de combat, donc un fusil d'assaut niveau 7. C'est pas top. Pistolet semi-automatique. Ah oui, mais c'est un pistolet, fusil à canon scié, précision, 63-88. Ouh, fusil de précision de haut niveau, là, de niveau 9, elle, là, niveau 5. Ça, je dis que je serais pas contre. Ça fait 300$, c'est un peu cher, mais je serais pas contre, parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. On a quoi? Pistolet mitrailleur. Ça c'est quoi? C'est pistolet? Non, c'est arme automatique. Après on a des armes de mêlée, broyeur d'os, mitrailleuse lourde, lance-flamme, ouais le nouveau. C'est un meilleur lance-roquette. Fusil de précision. Ah, truc laser. La version de l'armée du fusil de chasse a une portée de pression supérieure ainsi qu'une meilleure résistance. Tu vois un peu? 75%, 10%. Ouais, c'est la même chose, de toute façon. Ouais. Et après, il y a ça. Ouvrez négociant avec d'autres parties agonisantes sur le sol. Des cellules d'énergie. Donc, on aurait une arme contre les robots. Ça peut être pas mal. Fusil d'assaut niveau 11. Il faudrait arme automatique niveau 5. On n'a pas encore ça. Mode d'armure, de la résistance aux éléments. Pff, oh là là, il y a plein de trucs. Toile de combat, ça c'est bien. J'ai envie de dire, on pourrait prendre les deux snipers, comme ça, on lui met les deux snipers. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Parce qu'elle, elle fait des gros dégâts, donc autant lui mettre ça, quoi. Ah, je lui ai mis des cigarettes aussi. Comme ça, elle a 10% de probabilité de critique pendant 36 tours. Ça nous ferait quasiment 500 avec 800 dollars à peu près. Ça fait cher. Ah, c'est un calibre combien ça? C'est vrai que j'ai pas regardé. Vas-y, 30-06, ça c'est pas du calibre 50. Parce que j'ai peur qu'on commence à combattre des robots. Et les robots, on n'a pas grand chose. Enfin, si, on commence à avoir quelques armes laser, mais bon, c'est pas. Voilà quoi. Genre, ça serait pas mal. Double-cliquer, ça achète direct quoi. Il nous reste 900. Après, si on vend. C'est pas cher du tout en fait la revente. La revente est un peu pourrie. Hein. Je sais pas ce qu'on peut revendre.
qui ferait de l'argent. Attends, il y a un truc à 500. 525. Ah ouais, non, là, ça par contre, oui. En plus, on a du marchand à 250% de plus, quoi. Je sais pas trop comment faire de l'argent dans le jeu, dans les Westlands. Mais Westlands, ça a toujours été comme ça. C'est toujours pour un peu vous garder sur, sous la pression de... de pas vraiment avoir de, d'argent, en fait. Je pense. Mais ouais, honnêtement... on peut pas les classer dans... par fusil. Alors lui, il faut mettre ça. Voilà, un truc laser, c'est bien. 62-86, c'est ça. Voilà. J'aime bien parce que ça vraiment ça éclaire bien en fait. Après son armure elle est un peu pourrie mais bon, c'est, on pourrait lui la mettre comme ça. Non c'est bien comme ça. Bon après ça non on va pas le laisser. Même si la précision et la pénétration pardon, est pas vraiment très utile pour elle parce qu'elle a déjà pénétration 16 de base de l'arme. Donc bon. Hein. Donc elle va faire du dégât, peu importe. Mais ouais, je pense que là on a bien fait. Pénétration 19, 102. Je pense qu'on a bien fait. Après, est-ce qu'il y a d'autres... C'est pour ça aussi que je voulais pas trop mettre de l'argent dans... dans refaire les personnages. Parce que je sais qu'il va falloir augmenter nos armes à un moment ou à un autre. Fusil SWAT. 17-22. C'est x3. Fusil auto... Ouais non, fusil automatique 5, j'ai pas assez. Il y a elle. Elle a 7-10. L'arme lourde, c'est quoi? C'est 10-14. Bon, là, c'est pas très cher. Comment c'est? Contrôle? Non. Mage gauche. Ouais, c'est quand même mieux. Capacité en munitions, il y a plus de munitions. Pénétration 12. Ouais, non, c'est... Ouais. Alors, on va prendre ça. Après, j'ai bien envie de prendre le lance-flamme aussi. Je sais pas. On a le laser. Science étrange. Non, c'est très bien ça. C'est très bien. On va aller refaire les personnages un jour ou l'autre, hein, mais peut-être pas maintenant. Après, le fusil d'assaut, je sais pas si je le prends, s'il me reste. Je sais pas, 700. Non, le fusil d'assaut, je peux pas l'équiper, on a vu. Après, les armures, pour le moment, je crois pas... Je crois pas qu'on en ait besoin. Ah, le fusil d'assaut, celui-là, là, j'avais pas vu. Fusil de combat niveau 7. On a pas un fusil de combat niveau 7 ? Fusil d'assaut. Non, on n'a pas de truc. Non. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Oui, les armures, non, ça va. On a pas besoin d'armure, honnêtement, pour le moment. Puis on les a bien augmentées, en plus, les notes. Donc, honnêtement, elles sont de très, très bonnes. Elles sont très, très bonnes. You know all those people I was patching. What do you need, Rangers? Besoin de soins. Nonsense. You're not even. I don't mind not having to clean and suture a festering wound. Fais voir ça. Crochetage, échec de crochetage. Ok, porte, ça sera plus tard. Ouais, on est bon là, on est sympa. Je trouve que là, on a bien fait pour.
pour notre équipement. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres recrues. On a toujours le mec du crochetage. Enfin, le mec du crochetage. Le jeune, là, qu'on a sauvé de la pendaison, là où je sais pas quoi. Non, de la gelure. Quoi, le gars, il s'en va dire. J'ai pas vu. Rangers, good to see you. Je sais toujours pas où il est, ou comment le... Je vais voir si on fait ça. Ah, est-ce que on allait... Je dois être con, hein. J'ai sûrement, il doit être quelque part que j'ai pas vu. Hein. Je vois pas pourquoi il nous le présenterait pas, en fait, le mec directement, au lieu de... Au lieu qu'il soit caché, là, comme ça, là. On en fout. Can we help you with something? Careful out there. It's an uncaring world. Soldats, réfugiés. On va voir là s'il y a des nouveautés. Sad to see a woman such a... Ah, yeah, ils sont ensemble, ok. Watching over a bunch of psychos and two-bit hustlers. Yeah, there was a rogue synth down. Ah, ils ont une conversation. Rogue synth wandering around downtown is definitely cause for concern. I think we'd all feel safer if it were in a prison cell. Good luck out there. Ok, on va aller s'occuper du synthétique. Je vais peut-être regarder sur internet où on trouve le mec là qu'on avait vu. Le mec qu'on a sauvé. Je vais peut-être regarder. Ouais, donc maintenant notre prochain... Alors, Colorado Sprint. On va aller voir pour le synthétique maintenant. Puis en plus on a des armes antisynthétiques, donc si jamais jamais ça part en couille, on va pouvoir faire ça. Mais ouais, j'imaginerais bien un synthétique dans l'équipe. Je vois bien mon équipe avec un synthétique. Ouais, genre là les quatre rangeurs ils bougent pas. Elle faut qu'elle vire. Marshall Kuhn, il fait quoi Marshall Kuhn déjà? Marshall Kuhn, il a juste des des compétences intéressantes, c'est lèche-cul. L'ordure sur moi, on s'en fout. C'est lèche-cul qu'il a, qui est pas mal en fait, j'avoue. Je vais être honnête. Lèche-cul, c'est pas mal. Oh. Faible grésillement. Okay. Je vais faire une pause que je crève de chaud. Et on va s'occuper du synthétique. Ah, mais ouais, là je suis content. On est reparti, là ça m'a un peu reboosté. Donc on va continuer, ça c'est cool. Donc nous sommes de retour. Alors je sais qu'on n'avait pas arrêté ici. On va aller au QG des Rangers. Alors je sais qu'on n'avait pas arrêté ici la dernière fois. Alors ce qui s'est passé, c'est que entre temps j'ai passé du temps sur Discord avec Shaina, un ami du Discord. Et il connaît pas Wasteland 3. Et du coup je suis allé lui montrer un peu. Et ce que j'ai testé, c'est me balader en fait avec le Kodiak. Et voir si on pouvait en fait rencontrer des combats aléatoires et tout ça. J'en ai eu deux. Il y a eu des robots, alors c'est des disco balls et tout ça, enfin c'est pas des robots super élevés et tout ça, donc vous n'avez pas raté grand chose. Et après il y a eu des vers de terre qui crachaient du poison et tout ça, ça c'était sympa, et j'ai pu même les écraser au Kodiak. Je l'ai pas enregistré, désolé, mais du coup voilà, c'est ce qui s'est passé, et on va aller se soigner. Alors les robots c'était pur robot, il n'y avait aucun humain. J'avoue que avoir mis en arme secondaire sur la plupart des... de notre équipe, avoir mis des armes à énergie contre les robots, ça a énormément aidé. Sinon j'allais passer honnêtement un mauvais quart d'heure. Et j'ai monté quelques niveaux aussi, donc je vais vous montrer tout ça, et après on va continuer notre petite mission où on doit chercher le robot. Donc je crois qu'ils ont tous monté, ils étaient à 6. Il n'y a que elle, je crois, qui n'a pas monté. Elle est toujours à 6. Lui, il était à 7. Il est à 8 maintenant. Donc, ouais, ils ont tous monté de niveau. Donc, Sentinelle,
Je lui ai augmenté, je crois que c'était le charisme. Ah non, non, la force. Il avait 1, donc je lui ai mis en force. Donc c'est rétroactif, les constitutions par niveau. Vous n'avez pas besoin de commencer genre avec 10 de force, par exemple, pour récupérer de la constitution par niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est bien. Donc j'ai mis un niveau de plus, donc de 55, on est passé directement à 81 de vie. Donc ça, c'est bien. Après, en compétent, je vais augmenter le commandement, je crois bien. Donc voilà. Pour Fury, je crois que je vais augmenter Ordure Sournoise, un des trois, honnêtement, parce que je crois qu'il y en avait un qui était en plus bas, je crois que c'était l'Ordure Sournoise qui était en à 4, et on a mis 5. En attribut, j'ai augmenté la coordination au max, et quand vous montez une habilité au max, enfin une, pardon, un attribut au max, ça devient tout blanc, donc voilà, ça fait pas de, ça fait rien de spécial. Mais voilà, ça fait une petite animation et ça devient tout blanc. Donc voilà, maintenant elle a point d'action plus 5. Résistance aux effets de statut, bon ça on s'en fout à la limite. Mais voilà, maintenant elle a plein de points d'action pour pouvoir tirer au sniper. Après Zeus, je crois que j'ai, oui, j'ai continué en force. Donc on est à 174 de points de vie. Thunder pareil, 174. Pour les compétences de, je sais plus, je crois que je lui ai augmenté la mécanique encore d'un cran. Pour Thunder, je crois lui avoir augmenté la modification d'armure. Voilà. Pour lui, je l'ai pas fait encore. Donc, précision, perception, bonus dégâts à distance. On va faire ça, je crois. Et en compétence, lèche-cul, ça, c'est quand même assez intéressant d'avoir ça. Donc pourquoi pas. Et en avantage, salut mon combat again. C'est même bien avec deux fois plus de balles puis sur les mitrailleurs que vous avez. Non, on s'en fout. Je dirais que on peut lui mettre peut-être de l'armure en plus ou une constitution en plus. Il n'y a pas grand chose d'intéressant en fait. Le premier son, on va pas l'augmenter. Les membres de votre escouade déclenchent une alarme ou un piège. Non, c'est pas intéressant. Quand vous êtes découvert, vous gagnez 15% de dégâts avec le pistolet mitrailleur. Il n'y a pas vraiment d'un truc intéressant. Je crois qu'on va juste lui mettre ou de la constitution ou de l'armure. On va mettre de la constitution parce que plus de vie c'est bien. Non, il a 153. Et c'est vrai que quand on a combattu les robots, comme je vous ai dit là, aussi j'ai bien fait de prendre les nouvelles armes. Le sniper, le négociateur là, sniper à énergie a fait 200 et quelques de dégâts et tout ça, c'était super puissant. Pas que j'ai vu que ça, il faudrait le recharger. Voilà, on n'a plus trop de munitions en réserve pour ce type d'armes, mais ça va, on va se débrouiller. Il y a lui qui est un peu inutile avec le fixateur. Peut-être qu'on peut changer ça. Enfin, le truc, c'est que toutes les autres armes, il ne peut pas vraiment les manier. Ouais, on va rester comme ça. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que on a fait. J'ai fait deux combats, je crois, aléatoires. Ouais, on a 10 cellules d'énergie de côté. Ça va, on va se débrouiller. Alors après, voilà, de combattre que des robots, c'est dangereux parce qu'ils font extrêmement mal, du coup, parce qu'ils ignorent, ils ont des armes à énergie qui ignorent totalement donc l'armure. Ah oui, il y a ça aussi. Ils ont complètement, voilà, ils ignorent l'armure, donc c'est très dangereux. Après, c'est vrai d'avoir des armes. Il y a une tourelle légère. J'avais pas vu. Il y a des tourelles légères maintenant ici. D'accord, cool. Hello, Rangers. Oh, Austin! Permission to speak? Il est ici, cool! Parce que je voulais parler à l'autre, il y en a une autre là, la femme là, qui arrête pas de nous demander. Donc il est là, lui. Putain, le mec, il est complètement silencieux, je l'ai pas vu, quoi. Bon, voilà, je finis mon histoire. Donc c'est très puissant, les armes à énergie contre les robots, ça, et du coup ça rend le combat un peu plus simple honnêtement. Mais voilà, c'est à double tranchant, vu que les robots aussi utilisent ça, donc ça peut être très dangereux pour vous si vous n'avez pas d'HP, s'ils peuvent juste vous mettre à terre en fait extrêmement vite.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ça coûte un peu cher en cellules d'énergie, du coup. Par contre, dans les combats aléatoires, vous allez avoir, vous êtes sur une petite map, en fait, comme dans Wasteland 2, et vous avez des coffres, et il y a beaucoup d'objets dedans. Je vais pas dire, mais à un moment, je crois qu'un des deux combats, j'ai trouvé genre 7 trousses de soins dedans, et des munitions en tout genre, donc c'était vraiment cool. Mais voilà, ça peut être extrêmement dangereux, et c'est super aléatoire, des fois j'ai tourné pendant 10 minutes, j'ai rien trouvé, puis après je suis sorti 2 secondes, j'ai trouvé, j'ai eu une embuscade. Je sais pas trop comment ça fonctionne encore les combats aléatoires, mais je pense que c'est rare pour éviter de farmer en fait, pour éviter de monter de trop de niveau et tout ça. Donc voilà. Permission accordée des recrues. I just wanted to say thank you again for saving my life. If you hadn't talked to Judge Watkins, well, I wouldn't be here. And I'm really happy to be here. I guess that's all I wanted to say. Thanks. Oh, and Mom thanks you too. Okay, cool. Welcome back, Team November. Du coup, est-ce que tu peux rejoindre notre équipe ou pas du tout? Pas l'impression. Guessing it's gonna be tough getting that Valor kid out of Denver in one piece. Welcome back, Team November. Je pense pas qu'on puisse. Ouais, c'est elle qui nous parle. Jodie Bell. On lui avait parlé, j'ai complètement... C'était celle qui était en piteux état, là, qu'on avait sauvée quasiment au tout début du jeu. Là. Alors, on aurait besoin de vos aides sur le terrain à venir avec nous. Donc voilà. Et elle, donc elle est niveau 5. C'est un pilote. Elle a fusil de précision mécanique charmeur d'animaux. Et elle a un sniper spécial. La vieille rustie, Jodie personnalise le vieux fusil de son père depuis son enfance. Elle aime encore plus le bricoler que s'en servir. Taux de frappe plus 10%. Capacité de munitions 3. Ouais, après, c'est un fusil de sniper basique, quoi. Mais voilà, donc elle, c'est honnêtement, c'est un peu une copie de la nôtre. Sauf qu'elle a la mécanique. Nous, on a charme, on a ordure sournoise pour faire plus de dégâts. Donc voilà, ouais. On n'a pas besoin, mais elle est là maintenant. Genre si on fait... Oh, d'accord, on l'a jump. Okay. On l'a directement mise dans le groupe. Je pensais qu'on allait avoir le... comment ça s'appelle l'interface, mais non. Putain, il est... Ah oui, mais c'est du calibre 50. Ah non, c'est un 30-06. On dirait du gros calibre 50, en fait. Mais ouais, il est stylé. Ah, elle a 3 emplacements aussi. Bah tiens, fais voir un peu. Donc ça c'est quoi? Ouais, c'est emplacement rapide plus 1, pas de caractéristiques. Compétences, elle a aussi premier soin. Parce que ça c'est bête, parce que dans leur description en fait ils montrent que les 3 premières grosses compétences, mais ils montrent pas s'il y a une quatrième ou une cinquième ou une autre. Donc elle a premier soin, pas vraiment utile. Et en avantage elle a ça, elle a le marquage de cible. Mais c'est cool. Why do these refugees want to live here anyway? Aren't there? Vous essayez de vous occuper comment sur l'organisation des rangers. I admit that I have questioned some of your decisions, and that in turn has made me question mine. But on the whole, I feel the good we do outweighs the bad, so I am content to stay. Alors après j'ai envie de dire que c'est vrai d'avoir un deuxième sniper ça pourrait être intéressant. Le problème c'est que deux snipers déjà c'est les mêmes balles, c'est du 30-06 qui sont chers, on n'en a pas beaucoup. Et on a un seul sniper à énergie. Alors que elle, maintenant la Lucia on lui a donné un pistolet laser et tout ça qui fait extrêmement mal contre les machines. There is still injustice in the world, isn't there? Let's go. Donc ouais, on va garder Lucia pour le moment. Parce que ça fait extrêmement mal. Elle fait déjà mal avec son revolver. Mais bon, faut que la place devant et tout. C'est vrai qu'il y a la portée est pourrie. Je suis d'accord, la portée est pourrie. Mais j'avoue que le pistolet laser, quand je l'ai testé contre les robots, putain. Ça a bien bien fait mal. Rangers, good to see you. Sure thing. Let's have a look. Mais sinon... Ouais, non. There you go. Anything else? I'll be here. On n'a pas dû payer, non. Donc ouais, non, non, on est...
On peut pas le prendre. Je pensais vraiment qu'il allait... Je sais pas ce qu'il apporte en fait. Welcome back, Team November. Sert quoi ça? Bot serviteur. Global hack. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Sacrifice some elbow room to save more people. That's the only sane thing to do. The finest setup you'll find this side of the Rockies. This equipment took years to get together. This is the only setup in Colorado. The basic controls are straightforward. You should try the device yourselves whenever you're here. Je pensais qu'il y avait un truc spécial avec avec la radio, mais non. Donc ouais, au final. Des fois ça dit qu'ils vont nous rejoindre, mais ouais, ça veut dire qu'ils vont nous rejoindre au QG vraiment, hein. C'est pas... C'est pas qu'ils vont nous rejoindre sur le terrain, c'est bête. Colorado, centre-ville, putain le centre-ville, c'est en plein milieu évidemment, je suis bête. Donc ouais, c'était une expérience intéressante. Mais on a une bonne équipe honnêtement. On a une très bonne équipe. Faudrait qu'on soit riche. Et qu'on puisse complètement refaire vraiment nos persos. Mais bon. Pour l'instant, on se débrouille avec ce qu'on a, donc ça va. Bon, allez, on est de retour ici. Je vais faire une belle sauvegarde. Et on va donc chercher. Enquêter sur les cyborgs. Never to get on Watkins' bad side. Man will slap you in the stocks for squirming in church. Donc il y en aurait plusieurs des cyborgs parce que je vois pas pourquoi ça grésirait ici. They say freezing to death is the most painful way to go. En tout cas, nous on sait plus ou moins où on veut aller. C'est dans le musée. Alors, attends, là on peut pas rentrer. C'était où qu'on était rentré? C'était là? Ouais, c'était là. Quasiment. Ok, c'est parti. Came here for every class trip we ever had. Is Buchanan a man? Ok. Oui, voilà. Thunder. Celui-là. Yes! C'est un électronique qui est habillé comme un marshal. Rien à lui faire à d'autres. Si lui, il peut nous rejoindre et qu'il est mieux que Lucia, ce serait cool. Pourtant, les radios captent d'étranges bruits provenant de cet endroit. Le genre de transmission numérique qui devrait émaner d'un synthétique selon Gary Wolf. Alors, truc d'intel, utilisez votre radio pour créer un larcin sur la fréquence du synthétique, ce qui devrait l'étourdir. Oh, on pourrait faire ça et genre l'attaquer? Peut-être qu'un mannequin comme les hommes va tirer dessus pour le savoir. Très bien, c'est que je vais terminer. Approchez-vous doucement ou vous êtes mort. Attaquez mon Evelyn Marshall. J'ai envie de faire un truc d'intello pour voir ce que ça fait. Quelques ajustements. Votre radio émet un étrange oscillement stridente. Alors que cette dernière augmente, quelque chose explose à la base du cou du synthétique. Ses yeux pivotent pour croiser les vôtres, mais il ne peut plus bouger aucun autre partie de son corps. What did you do to me? Let me go! Tout doux. Ah, on l'a stun quoi en gros. J'espère qu'on l'a pas tué. Enfin, on l'a pas détruit. On savait que c'était vous. Que faites-vous ici? Détruire synthétique pendant qu'il est immobilisé. Ah, on peut le tuer directement sans le combattre en fait. Enfin, sans les combattre, j'imagine. Tout doux, pas de précipitation ici, on discutait. Ah, on savait que c'était vous. Que faites-vous ici? Tourmaline says we shouldn't talk to humans, but I don't want to die. Évidemment, alors calmez-vous, on peut vous poser quelques questions. Si vous voulez pas mourir, on ferait mieux de coopérer. Détruire la synthétique pour qu'il nous... On va faire ça. I guess. What do you want to know? Alors... Dites-nous comment vous êtes arrivé jusqu'au Colorado. Vous ne pouvez pas rester ici indéfiniment, que comptez-vous faire? All I want...
want to do is get out of here and find some place better to hide. Somewhere far away from this city. Will you let me go? Tu parles vraiment comme un humain, quoi, comme un enfant. Allez-vous tuer d'autres gens, pouvez-vous nous dire, se trouve Tourmaline. Devez-vous faire passer pour un réfugié et quitter la ville discrètement, parler à personne. On ne peut pas vous laisser partir, on ne peut pas vous tuer, vous êtes en état d'arrestation. Terreux synthétique, je sais pas, on va essayer d'être sympa, parce que comme j'ai dit, moi j'aime bien les synthétiques. Tourmaline. I won't. You'll kill him if I do. Anyway, I'm not really sure where he went. Allez-vous tuer d'autres gens? If they find me, I'll have to kill them. If humans know where I am, they'll hunt me down and turn me off. On peut le mettre en état d'arrestation, mais on va pas le faire, il va sûrement pas le faire. Détruire, non, d'accord. On va le faire passer pour un réfugié. Thank you. I'll leave as soon as my systems reboot and I find some better clothes. Bye. I'll leave soon. I have to find a better disguise. Peut-être qu'on le verra plus tard. Oh mon dieu, non. Prestigion et confus moderne. Il y en aura un autre. Non, oh mon dieu, on va se casser d'ici ça, non, de fou. Ça va me rendre complètement cinglé. Genre, ça veut dire qu'il y aurait quelqu'un qui serait un robot ? Écoutez le chanteur. When the world expired, we were forged in the fire. A shield made of muscle and grit. Protecting the needy and fighting the greedy. We fought because we gave a shit. And we'll keep on fighting. For there's wrongs to be righting. And our victories. Grow year by year. Cause despite all the dangers, the old desert bon. Rangers. Ça m'a un peu gavé. Well, the world knows the Rangers persevere. All I did was ask a few questions. Started in I don't want to talk about all these greenhouses. Vegas. What do you grow? Ever need help from the mushrooms? Irvin. The trail led us then to the guardian's den. Wow, books for sale. One book on clones? In Darwin disaster, the old c'est lui qui s'est cloné. Erwin John Finster. I was talking to Jody the other day. Welcome back, children. Tu had another rough night. Remedies for regret, children. Here you go. Ah, de l'alcool. Salvation is at hand. Ça marche. Bon, on se casse, que ça me rend fou là. La musique. Putain, pourquoi il y a du grésillement comme ça aléatoire? Hello again. Here to learn more about the Colorado. Believe me, I. Alors attends, est-ce que quand la radio s'allume, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oh. Ah oui, là on peut pas passer toujours. Enfin je crois. Only authorized personnel are to pass this. My uncle, Gideon Reyes, wants to speak to the Rangers. Oh, of course, Miss Wesson. Open it up, fellas. On peut aller là, du coup, maintenant, avec elle. Ok, pourquoi pas. On peut vous piquer des choses? Non, rien à piquer. Oh! Attends, j'ai
peut-être parlé trop vite. No one's allowed in there. Ah. Y'a quoi là-dedans? Which word didn't you understand? Please, step away. Bon. Attends. Parce que moi je vois du courant là. Ah ah. Bon, si les mecs sont là, de toute façon on peut rien y faire. Ok. Si les mecs sont là, on peut rien y faire de toute façon. Sinon ils vont s'énerver, on va devoir tuer tout le monde. J'ai pas envie de tuer tout le monde, je suis fatigué. Ouais. Donc on peut retourner voir Wolf et lui dire que le robot a échappé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la caméra elle a bougé comme ça? Too soon to be back. Et on fait quoi là exactement? Always a pleasure to see the Rangers. I wish they'd get a younger preacher to come and give sermons. You just want eye candy. Guilty. Quoi? Requiert de l'électricité. Ça marche. Blessed are the doomsday preppers, for they shall inherit the world. You are safe here. We all feel safer with you rangers around. We know not. Car ils sont pour ça résistants à l'eau et au sang. Some say steel. If you'd like to sign up as a volunteer for next week's annual Praise the Patriarch dinner, please inform Mrs. Rat. We, Mrs. Putnam, is still looking for her cat. Small tabby, very affectionate, answers to the name June. Ah, c'est cette porte. My uncle tells me you're a man of question. Blessed are the doomsday preppers, for they shall inherit the world. Aha, trouvé. Somebody's gotta get their hands dirty, so good folk like you can keep your hearts clean. That's not how Colorado Springs works, Mr. Kwan. That's how you work. Huh. I'm sure you know best. De manière performante. HQ. De manière permanente, je sais pas dire. Dans les rangs, soldats, vous faites partie des rangers à présent. Voilà, très bien. Je sais pas pourquoi, mais on est en train de créer une armée de poulets cyborgs. I'd know this drone anywhere. It was my father's favorite. Must have been damaged when the Dorseys raided our house. Il lui recompte les pavés au parleur et met un grincement quand il est sous. On peut le réparer? It belonged to the Wessons. I've got orders to keep everyone away. L'HQ combien? Marshall du patriarche apprécié. Vous savez que les rangers ont déjà aidé le marshal à leur laisser nous faire. Si vous arrivez à faire remarquer ce drone, vous n'aurez plus à rester planté là dans le froid. Yeah. Well, good point. And I know you rangers can take care of yourselves. Just don't blame me if that thing shoots you or something. Go ahead and do whatever you need to do. Ça me rappelle le film là. C'était quoi? Ah, je me rappelle plus. Il a exactement la même tête avec la tête plate là comme ça, les chenilles et tout. Un vieux film. Système d'exploitation du robot planté, ça déclencherait peut-être une séquence de redémarrage. Mécanique 2 maintenant, il est peut-être possible de reconfigurer le robot serviteur sans l'éteindre. Alors maintenant on a mécanique et truc d'intello. Faire planter le système du drone afin qu'il redémarre. Trafiquer le drone et forcer un redémarrage système. Bah... On va prendre la mécanique. Sentez une odeur de plastique qui brûle. Après quelques instants, un ventilateur interne se met en route et se dissipe. Hey, look at him go. Trésor. On va le suivre.
So they killed the Wessons, the Shulies, the Jacksons. Poor Lucia. On le suit, hein. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la caméra, des fois, elle nous montre des emplacements? C'est pour nous dire où il va le robot? Cool. Oh. Mitrailleuse lourde niveau 10. Mode d'armure, esquive-ci pour ça, armure. Merci le robot. That was Dad. Always thinking ahead. Vraiment cool. Je vais voir. Ouais, donc il a moins de rafales, du coup il y a moins de chances de louper, plus de pénétration, plus de dégâts, ouais. Parfait. Lui, je sais pas si on va lui laisser le lance là ou pas. C'est vrai que c'est pas très utile ça. On va peut-être lui mettre la mitrailleuse lourde. Parce que bon, avec le pistolet, il va pas faire grand chose, autant lui mettre la mitrailleuse. Mais bon, son arme principale sera quand même le lance-flamme. Mais au moins, il sera un peu plus utile. Enfin, il sera un peu plus polyvalent. Ouais, donc là, c'est où ils se sont fait attaquer, quoi. Damn, Dorseys weren't content to rip everything up. They had to toss the furniture around too. Couldn't even leave my memories of this place alone. C'est ça votre avis, regardez au-delà des décombres. Distinguer un morceau de bois cassé, porte éclatée. No point looking back there. It's smashed up even worse, and the Dorseys took everything worth stealing. Qu'est-ce que s'est-il passé à votre avis, Lucia? My house was the first place the Dorseys went. Probably walked right in through the front door, stole my parents and little brother away, and then took out their anger on the house. C'est bête, parce que j'aurais bien voulu avoir Crochetas 6. S'il nous manque, on est 5 je crois, ouais. Ça aurait été cool. C'est pas grave. Mama used to love Vache, y a plein de pièges ici. She'd be ashamed of the mess it's in now. Bren, niveau 10. 7, pardon. Ouais, faut qu'on voit. Mitrailleur, ah, c'est peut-être bon pour nous ça. Ah, mais je crois qu'on est niveau 3, non, on peut même pas l'équiper. Ouais, par contre, le Bren. Ouais, c'est aussi un Bren, ok. C'est pour être sûr. Non, attends. Parce que j'ai vu qu'il y avait des explosifs et tout ça. Ok, niveau 3. Wow. Daddy really didn't want any Dorseys to muck around with his cooking supplies. Je crois qu'on a récupéré. Ouais, on a récupéré une grenade. Merde, explosif 4. Oh, quelle merde.
On peut tirer dessus. Non, ok. Je voulais voir si on pouvait ou pas, si ça détruisait le butin. Vous voyez, là, ça détruit le butin. Alors que des fois, les autres, non. Donc, faudra revenir quand on pourra désamorcer tout ça. Bien joué. Bon, on peut se casser. It feels so empty now. Even when Pa and Ma were traveling, they were here. Their spirits filled the place. On soignera. Je sais pas quand. My family will be avenged. Oh, yeah, Mary Bellin, what those guys made. Putain de bruit de fou ces trucs. Là on a pris un chien. Châssis, ça c'est bien. On pourrait utiliser les antidotes mais honnêtement ça sert à rien. Parce qu'on peut soigner, ça soignera tout. Attendez, je voulais me soigner avant de tomber, comme ça on n'a pas le debuff là. Du coup, j'ai été trop lent et j'ai été con. Désolé. Ah merde, j'ai cru que j'avais sauvegardé après. On va passer. Attention poulet. Voilà, super. On est passé, okay. Bon bah cette fois ça va, on est passé sans déclencher. Ça c'est bien. C'est pas vraiment pour économiser du soin, c'est juste que là on l'a pas déclenché quoi. Parce que je voulais me soigner sur la fin, mais ouais du coup je suis mort. Je crois que... Ah bah là on a une cassette. Super. J'ai vu un robot vert passer super vite. Par contre, je voudrais lire ça. Ça parle d'une énigme. Je vous ai laissé une énigme pour tester vos liens. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je compte les jours jusqu'à ce que nous soyons de nouveau ensemble. Une grande grossière marquant 3 points est dessinée au verso de la lettre. Une carte grossière marquant 3 points. D'accord.
On peut pas la regarder la carte, donc je sais pas. Wonderful to see you, Rangers. Ah, the park. Trooper d'élite. You're cleared for public areas. C'est stylé. Hein. Ah bah c'est lui qui courait là. Qui allait très vite. Oh ya ya, sa gueule. The patriarch likes it quiet. Ah bah les marchages, je m'en fous un peu. Ah, Joe. Yes. Oh, hello. You must be the Rangers. Ouais. I'm Diligent Joe, the patriarch's personal secretary. I make sure only people who have official business with him get past his door. You, due to the importance of your mission, have Mr. Buchanan's leave to enter as necessary. Hello, merde. Joe. Je suis allé trop loin, pardon. Ah, Miss Wesson, you have my deepest sympathies on the deaths of your family. Thank you, Joe. Alors, les gens ordinaires n'ont pas le droit de voir les patriarches. It used to be that we held town hall meetings where citizens could bring their grievances before him, but that practice has changed in the last year or so due to security concerns. Good day. Bah c'était nul, merci. C'est pour aller où là? La maison des patriarches? Pas les ok. On va se balader encore. On peut prendre ça? Merci. Ils ont l'air d'être vachement bien équipés hein, quand même. Ils ont l'air d'être méga méga bien équipés. On va encore se balader un peu. Oh, look. What could you possibly want? We're just talking, strangers. No need to get any closer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? We're just talking, strangers. Ah, notoriété peu connue. Peut-être que si on se fait connaître. Et peut-être qu'ils vont nous parler. Oh! Bienvenue dans le fichier. Voilà. Truc d'un Telos 5. On vient juste faire un tour. On vient faire un pour le Ballon Reward. Ah, désolé, je passe, ça fait mal aux oreilles. On vient juste faire un tour. Je ne peux pas vous laisser passer. Okay. Ok, il faudrait un Telo 5 pour passer. Ok, il faudrait pouvoir avoir un Telo 5, ça marche. C'est un problème. Nice work fixing that drone, Rangers. We all feel safer with you. Ever think about staying in Colorado? We'd be glad to have you. On va voir à l'intérieur du palais. Mouais. Après, faudra voir les quêtes qu'on a. On a encore plein de trucs à faire. Nice to see you, Rangers. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Carte d'élite, palais du patriarche. This palace used to be a fancy hotel back before the deluge. Wonder if they had the turret guns back then. You're cleared for public areas only. Stop. Ah, bien ce que je pensais. Good to see you, Rangers. Mais on va pas les combattre, hein, par contre. The patriarch likes it quiet in here. So do I. Six de bras, réservoir, inhalateur, inhaleur. Imagine the jolly times around this table. Qu'est-ce que c'est? Oh.
Archive d'adoption, Melissa O. Ah. Document sur la lettre, le dossier d'adoption de certaines Melissa O. Page à tirer regard, son nom de sol. Hein. L'orpheline sera présentée comme l'héritière légitime de Claire O. Le Marshall présent lors de l'attaque sur le pêcheur céleste, sans tenir au secret. Cette femme faisait partie du groupe qui se moquait des autres à leur passage. Est-ce que ça nous aide vraiment de savoir ça? Ah, il y a eu magouille quoi. Comme d'hab. J'ai envie de dire. Used to get lots of visitors. Non, Dieu. Ah, c'est lui le patriarche, c'est vrai que j'avais oublié la gueule qu'il avait. Tout se passe très bien, merci encore pour votre aide. La situation est un peu chaotique par ici. La base que vous avez donnée est un piège. La base que vous avez donnée est un piège. Ils ont des miniguns quoi. La base que vous avez donnée est un piège. Je sais pas. Ah non, le QG. Bah c'est pourquoi c'est un piège. Non. Tout se passe très bien, merci encore pour votre aide. Not at all. Now, what can I do for you? Nous avons des questions. Ask them. Alors, on va faire ce qu'il y a un vrai couleur d'eau quand vous serez plus là. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Dorsets? Il est évident que vous avez accordé plus de privé à votre fille qu'à vos fils. Vous déjà envisagez d'étendre votre nation de l'aide à la frontière de couleur d'eau. The nation as you see it is my life's work. Only fools expand beyond their ability to govern. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Dorsets? Used to be my strongest supporters. Until we had an argument about how quickly democracy should be instituted in Colorado. When they lost that argument, they tried to usurp me. And, well, until they attacked the city, I thought I'd wiped out the whole family. Apparently, Neelius led some of them into the wilderness. I should have been more thorough. I assume it was Liberty who put them up to the raid. They were never this clever before. Okay. Bon, bye. Bah, ouais. Before you go, where the hell were you when that Arapaho caravan was wiped out? The power armor they were carrying would have been a great help to my marshals. Oui, mais... Now it's in the hands of the Scar Collectors. Oui, bah on va la récupérer, et puis ta truc, on va la garder aussi. When I give you an order, Rangers, I expect you to obey it. That's our deal. Oula. Now get going, and come back with results. Toi, tu vas vite te calmer, toi. On peut prendre ça ? Sans que quelqu'un dise quelque chose, il dort le mec. Fille du désert. On va voir un peu ce qu'on a récupéré. Fusil automatique 4. Fusil d'assaut 15 à 17. Ouais. Du coup, on va mettre ça pour lui. Ok, très bien. Non, on se balade toujours avec une basse-cour. C'est restreint. Ouh, niveau 7 pour un télo. Tableau de service actuel. Vous voyez la requête de réassignation. Retourne en train de lui. Charlie, c'est un au hasard. Charlie, avec nouvelle assignation réception. Automated duty roster change. New assignments are as follows. Guard 08 to Station H. Ah, on l'a fait partir pour pouvoir prendre la caisse de grenades. Anneau, merci. Tourelle à fusion, quoi, s'il te plaît. Bon, on sait bien. C'est pas qu'on se fait chier ici, mais...
Stay sharp out there, Rangers. Ouais, ouais, ferme ta bouche. Hey, you hear about Rosalind's ex? The love puzzle guy? Scuttlebutt is. He's been trying to get rotated into her unit. Oh, we gotta make this happen. You ever see Roz go all Ice Queen on some... Careful, or someone will... You better not start anything. Ouais, bon bah oui c'était sympa mais ouais il nous faut plus de stats pour pouvoir aller dans l'autre maison là. Je vois rien d'autre à faire en fait. En tout cas pour l'instant. Du coup, on va rentrer au QG. Je vais voir un peu la carte. Centre-ville, Colorado Spring. Là, on veut aller là, mais on peut pas. Ouais, mais en fait, je sais pas pourquoi je le marque en fait. C'est ça. Voilà. On va rentrer dire à l'autre là qu'on a perdu le robot. On va sûrement pas avoir de récompense, mais bon, comme ça ce sera fait. Et plus tard on reviendra ici quand on aura les compétences. Je crois qu'on a rien à faire vraiment ici. Faut qu'on regarde nos missions, tiens. C'est vrai que j'avais dit qu'on regarderait nos missions. Ça va, journal de quête, armure bien rempli, il nous faut quoi, recruter personnel pour les rangers, géolier, médecin, pas infirmier, un timonier pour l'armurerie et des mécaniciens pour le garde. Un géolier, bon, on a tout normalement, non? C'est vrai que développons la base, on va partir en poursuite des enfants du patriarche, devrait au moins pouvoir la prison, l'infirmerie, l'armurerie, le garage en personnel et compléter notre escouade. Mais il nous manque quoi? Je sais pas trop ce qu'il nous manque, des intrus. Il nous a demandé de rejoindre à l'église de Brun et si Marshall tente de nous arrêter à la porte, de leur dire où qu'il nous attend. Mais l'église en y était, non? On n'y était pas à l'église? Mais il y avait personne avec qui parler. J'ai pas vu de personne. C'est vrai que c'est un peu bizarre en fait. Il y avait une église avec plein de gens dedans, mais peut-être loupé la personne en fait. C'est ça l'église.